mes saucisses au four comme ça là. Il n'y a même pas besoin de rajouter d'huile. T'as vu toute l'huile que ça recrache? Alors, des saucisses au four. Avec ça, j'ai fait des serpentinis, les pâtes qui sont en serpent là, comme ça là. Et j'ai fait un sauté de poivron. Que je goûte, hein, c'est hyper chaud. Des pâtes comme ça. C'est quoi les barbes à papa là? Tu veux faire caca? Vas-y. A few moments later. Ah! Tu sais ce qu'il y a? Oui, il y a Peppa Pig à la télé. Mais tu sais ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Peppa Pig. Non, ça c'est quoi ça? Pizza. Pizza. Oui, on va manger. On va manger quoi? Pizza. Allez, viens t'asseoir. J'ai pris des ailes de poulet comme ça, non pimentées, parce que Aaron, bah, il va manger avec nous, quoi, tu vois. Avec ça, il est tellement content, il fait du zou partout. J'ai pris une pizza comme ça là. Toujours avec la sécurité pour éviter que les livreurs fassent des choses. Waouh, comment elle est balèze, mon gars! L'habitude, elle est petite. Non, l'habitude, elle est plus grosse, mais là, elle est balèze parce que je l'ai pris épaisse. J'ai demandé une pâte. Fromage dedans. Non, il n'y a pas le fromage dedans. Ah. Aaron, tu veux? Dommage. Tu veux que j'enlève le truc, c'est ça? Gaspillage de maman, chaud. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud par contre, Aaron. Hein. Elle, elle est déjà découpée. Tiens, Aaron, là, c'est pour toi. Ah. Chaud. Souffle, mon gars, souffle. Oh, tu cries comme ça. Il crie. Ah. Souffle. Souffle. La pizza chaud chaud chaud, comme dit Aaron, chaud chaud chaud. Il te fait comme ça là. Le week-end prochain. Non, il y a ça. Mmh. Et là, maman. Moi. Maman, il y a pizza. Moi, c'est plus. Dedans, il y a une pizza. Comme ça, on te voit un peu. Bon, il y a la pizza. Bon pizza, yaya. Bon pizza. Voilà. Il est beau, hein. Pizza, yaya. Tu veux la pizza? Oui. Lui, il est pas dur, hein. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il est dur. Là, c'est soit il est mou. Bon. Ça va être bien. Bon, normalement c'était pas prévu, hein. On est dimanche, on devait manger les restes de toute la semaine là. Il nous reste un sauté de porc au braid, il nous reste un poulet au curry, il nous reste des saucisses au four avec des grosses saucisses au four avec des pâtes. C'est Sharon qui a eu la bonne idée. Pizza. D'abord elle est venue me voir, elle m'a dit, t'as une pizza? J'ai dit, vas-y manger à maman. J'ai dit, oui, c'est bon. Il va te demander, t'as eu oui, c'est ça? Ouais. Non. Quand j'ai dit non, tu vois pas que c'est là? Maman dit non, maman vit. Maman, elle a dit oui. Tu vois pas, elle est là. Maman dit non, et Mathéo. Alors, elles sont coupées comment là? Maman voilà. Dit non, et Mathéo. Et là? Maman dit Mathéo, non. Ouais, je t'ai dit de non, non, de. Tu mets pas de l'eau dans le robinet là-bas là. Parce que lui là, Aaron il s'amuse à ouvrir l'eau du robinet à la douche, à boucher et à jouer dans l'eau. Faut qu'après il en met partout par terre. Et d'ailleurs il parlait du truc là, c'est pas pour la pizza mais il parlait du truc que t'as dit non pour l'eau là. Et là, ça se voit trop, hein. C'est que maintenant qu'elle est au courant,
Je voyais tout, elle avait tout le temps. Ah oui. J'ai même sa soeur jumelle qui est partie au travail à sa place là dans cet épisode. Un bébé à part. Un peu de coca. Quoi. La mousse. Et je veux prendre le fond, il reste genre ça en fond. Vous avez vu, ça fait de la ASMR. Et après, on se partagera l'orangina. Hey Frenchies. J'ai reçu un colis d'AliExpress avec plein de choses que j'ai commandées dedans. J'y suis à qui là? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Appuie. Commençons par celui-là. En vrai, je sais plus du tout ce que j'ai commandé. Je commande tous les jours pratiquement sur AliExpress. Et les colis arrivent peu à peu, donc je ne sais pas. Ah, ça c'est un collant en mode résine, genre. C'est avec des motifs genre comme ça, là. Pour mettre avec les robes quand il va recommencer à faire beau. C'est un collant pour les gros. C'est un collant genre comme ça, là. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ici, là, c'est pour appliquer le fond de teint. J'ai vu sur TikTok des filles qui ont fait des... Comment on ouvre? The fuck? Ah. J'ai vu des filles sur TikTok parler de ce pinceau là pour appliquer le fond de teint. Et elles montraient comment ça faisait avec genre les doigts. Elles montraient comment ça faisait avec un pinceau. Elles montraient comment ça faisait avec les espèces d'éponges façon là pour le fond de teint. Et elles montraient avec ça. Et en voyant le résultat de plein de filles qui ont fait des revues, ça a l'air méga tip top. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté pour appliquer mon fond de teint. Ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça là, c'est pour mettre dans le fond de mon panier vapeur pour mettre mes raviolis chinois. Parce que souvent, quand tu mets des trucs raviolis chinois dans le panier vapeur en bambou, ça reste collé. Donc ça, au moins, ça restera pas collé. C'est un truc en silicone pour éviter que les raviolis chinois et tout ça, les bouchons, ça reste collé dans le fond. C'est lavable, ça se lave et puis ça peut être réutilisé. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est plein de faux ongles que j'ai commandé. J'ai commandé tout ça? Alors, le premier modèle. Le deuxième, un basique. Pourquoi j'ai commandé celui-là, moi? Le troisième. Le quatrième. C'est quoi, ça? Des trucs... des cadeaux, apparemment. Le cinquième modèle. Le sixième. Et le septième. Bah, je vais tester ça. Vous me verrez dans les prochaines vidéos avec des faux ongles. Voilà. Et le dernier colis. Encore des faux ongles. Mon Dieu, ça doit être une nuit où j'ai voulu commander que des faux ongles. Voilà. C'est des faux ongles avec déjà les couleurs souhaité et c'est en mode comme ça là. Il y a tout pour tous les doigts et il y a cette couleur là pour tous les doigts. T'as juste à coller. Il y a juste à limer le bout genre la pointe là. Et puis tu colles et c'est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter de vernis dessus vu que c'est déjà la bonne couleur. Il y avait plein d'autres couleurs mais j'ai voulu celui-là et celui-là. Voilà.
Hello les Frenchies. Alors aujourd'hui, je me suis fait un faux. C'est bon, maman. C'est bon, ok. Je me suis fait un faux comme ça, là. Goût bœuf. J'ai rajouté du piment. Normalement, c'est pas rouge comme ça. J'ai rajouté du piment. Je me suis fait un cordon bleu comme ça, là. Et au four, je me suis fait avec de la pâte brisée. Je voulais prendre de la pâte feuilletée, mais je me suis trompée. J'ai pris de la pâte brisée. Je me suis voulu faire des roulés à la confiture. À la confiture intense de fruits rouges. Voilà. Regarde comment c'est. Attends, je te montre. Regarde comment c'est, t'as vu? Et genre, à la base, je voulais prendre la pâte feuilletée, mais je me suis trompée, j'ai pas bien regardé. Et j'ai pris de la pâte brisée, regarde comment ça fait. La prochaine fois, je prendrai bien la pâte feuilletée, je mettrai du Nutella dedans. Papa. C'est bon? Si vous entendez le bruit des voitures, c'est normal, j'ai laissé la cuisine ouverte. La fenêtre de la cuisine ouverte. Regarde-moi ça. Regarde ça. Il pleut. Je vais manger, après je vais me poser sous ma couette. Et je vais finir de regarder mes derniers épisodes de Last of Us. Hello Sephora. Je vois tout ça, je suis en train de me cogner la tête. Tu vas pas te cogner. Ah, hello. Hello Sephora. Hello. Aaron, il est monté dans son éléphant préféré, hein, il aime les éléphants. C'est quoi cette tête là? Et cette fois, il s'est mis sur un cheval qui monte et qui descend. Un éléphant, ça trompe, ça trompe. On va aller, hein. Aaron, t'as déjà commencé à manger ton donut, comme d'habitude. Et villageois là. On est où? Tacos. On va faire quoi? Pour prendre un autre tacos. Hello les Frenchies. Alors aujourd'hui, je suis partie faire 2-3 petites courses. Hein, petites. En fait, je suis partie en ville pour aller chercher nos menus au tacos. Et comme il y a un petit Auchan là-bas, j'ai pris 2-3 trucs à Auchan. Alors, les enfants ont voulu des mousses. Là, des mousses quoi? Liégeoises. J'ai pris un au chocolat au lait et un à la vanille. On sait pas, on va tester. Après, Sephora a voulu deux tablettes de Milka au riz soufflé. Voilà. J'ai repris de la levure boulangère parce que je compte faire d'autres beignets. Aaron a voulu un paquet de bonbons et pendant le chemin, il en a déjà mangé un peu dedans. On a pris aussi d'autres bonbons comme ça, là. Mais les petits Auchan d'appoint, ils sont chers, hein. Parce que ça, au magasin grand Auchan, c'est à 1€ et quelques. Et dans le Auchan d'appoint, c'est à 2€, 3€ pratiquement le truc. Oui. J'avais pris des petites chips comme ça pour qu'ils puissent manger parce qu'on est parti dans le tram, vu qu'il fait beau, il y a un beau soleil. On est parti en tram, j'ai pris des petites chips comme ça pour qu'ils puissent grignoter. Mais au final, ils n'ont pas mangé. Par contre... Avant, je vais vous montrer ce qu'il a mangé. Essayez de deviner ce qu'il y avait là-dedans. Normalement, si vous connaissez Aaron, vous savez ce qu'il y avait là-dedans. Il y en avait deux. Il les a enfilés. On est parti à Otakos. Du coup, on va faire une vidéo Otakos tout à l'heure. On a tout ce qu'il faut là. On a tout ce qu'il faut aussi en boisson et en dessert.
Et oui, Aaron dans son menu avait un donut. Et comme je connais mon fils, je sais qu'il adore les donuts, du coup j'en ai pris un donut en plus. Il se les a enfilés. Avant même qu'on rentre dans le tram pour repartir à la maison, il s'est enfilé parce que le tram, il me dépose quelque part à côté de chez nous. Là. Ce qui est top, c'est que maintenant, comme il fait beau, c'est trop top. Le tram, il est juste pas trop loin de chez nous, juste à côté là. On descend, il nous dépose en ville. Ou alors, il nous dépose à l'heure tranquille où il y a le cinéma et puis tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. Ou alors, il nous dépose encore plus loin. C'est trop top. Genre, le tram, il va jusqu'à Paris Store. Mais maintenant qu'il fait beau là, c'est bon, je suis plus obligée de prendre ma voiture tout le temps. Voilà. On va faire la vidéo au tacos et on se retrouve après. Ce petit Auchan là pour prendre. À la base, j'étais partie dans ce petit Auchan là pour prendre des briques de lait parce qu'il n'y a plus de lait. Et du coup, j'en ai pris 4. Et j'ai vu le coca, il était pas cher. Du coup, j'ai pris le pack de 6. Il y a 6 canettes là. Là en mode il y a les grévistes. Ce matin déjà avec le tram pour déposer les enfants à l'école, ça a été l'horreur. Mais là, pour rentrer à la maison mon gars, c'est bien. C'est bien. Bon, à voir maintenant si j'arriverai à voir. Oh. Cette fois-ci, au lieu de mettre de l'eau tiède, j'ai mis du lait tiède avec de la levure boulangère. Le bruit des voitures qu'on entend, c'est normal, j'ai ouvert la fenêtre. En temps normal, on n'entend pas tout ce bruit-là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux?
Mmh.